Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous montre pas ma tête parce que si vous saviez l'heure qu'il est... Oh, regarde pas trop Bélo. Si vous saviez l'heure qu'il est, je devrais être encore en train de dormir. Moi je me suis levé, là, je vais taper une petite sieste, je vais m'allonger tranquillement. Aujourd'hui les mecs, ah là on voit qu'il y en a qui bossent. Hein. Eh, il est super tôt, bon il est super tôt, il est 9h30, j'avoue. Mais je suis en vacances moi, je suis encore en vacances, laissez-moi dormir. Et aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour le test tant attendu. Vous avez kiffé la nouvelle vidéo de la nouvelle moto. Bon en fait je peux vous la montrer, elle est là les frérots. Déjà vous pouvez voir, je sais pas si dans la vidéo présentation je l'ai déjà changé, mais j'ai changé le filtre à air, je suis passé en filtre à air en mousse. Par contre, dites-moi les mecs, il y a un plus gros diamètre du filtre à air. Du coup dites-moi si c'est grave ou pas. Mais comme j'ai bien serré la bague, il n'y a pas de jour. Donc il n'y a rien qui devrait passer. Donc là sur ça, on est bon, j'ai changé le filtre à air. Il fait déjà un peu chaud alors qu'il est super tôt. Putain c'est un truc de ouf. Voilà, les mecs, je vais bientôt faire ma première vidange. M'engueulez pas, c'est parce que j'ai pas encore reçu l'huile. Mais je vais faire ma première vidange sur cette moto. Normalement, c'est une vidange toutes les 20 heures ou tous les ans, comme ils m'ont dit. Mais là, je vais me faire une petite vidange après rodage pour être tranquille. On peut voir que, bah, bien sûr, elle est corneuve, hein. Regardez, il y a encore les petites lignes, les crampons. Bon, cross baby. Oh là là, attention. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, je vois que 80% des gens qui regardent la chaîne, même 81% ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, je sais pas, on peut peut-être taper les 200 000 abonnés. Je serais super content, je vais limite m'allonger carrément. Attends, c'est pas mouillé hein? Non, carrément je m'assois tellement je suis fatigué. Et voilà, et aujourd'hui on se retrouve pour le test de la 150 RFZ Enduro. Dites-moi si vous préférez que je passe en plaque cross ou que je garde la plaque Enduro avec le petit feu. Je dis juste ça, c'est peut-être... En vrai, garder l'Enduro c'est peut-être juste... Avec la police, c'est un peu mieux d'avoir un petit phare, j'en sais rien. Là on est dans le spot habituel, on est à la maison, on est dans le spot habituel, voilà vous connaissez. Mais très bientôt si vous voulez je vous fais des petites grimpettes avec celle-là. Ça peut être assez cool comme vous l'avez vu, je l'ai déjà fait en trottinette les grimpettes. Donc avec ça, ça passe easy. Voilà, les amis, dites-moi si vous voulez que j'améliore un peu cette bécane. Ça va venir avec le temps, mais si vous voulez, on se pose une petite ligne. On se pose, je sais pas moi, un petit kit déco, je sais pas, on la personnalise. Et surtout, on va faire des épisodes entraînement wheeling. Donc donnez-moi tous vos conseils pour le 24 temps. Parce que c'est vrai qu'avant, j'ai essayé de lever le 85 SX. C'était un 2 temps, c'était un petit peu plus dur. Du coup, là, donnez-moi tous vos conseils pour essayer de lever un 4 temps. Je pense que c'est plus simple, juste tu te mets à l'arrêt. T'as peut-être même pas besoin de coups d'embrayage. Voilà, sur ce, on se retrouve tout de suite. Pour la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, 3000 likes, je vous fais la première partie de mon entraînement wheeling. C'est quand même un truc de fou, remarquez que les abonnés ça monte de ouf, je suis super content, on est bientôt 200 000 abonnés. Bon, il faut les 150 000 avant, mais on est toujours à l'objectif des 3000 pouces bleus et vous jouez le jeu à mort et ça me fait trop plaisir. Donc voilà, sur ce on est parti sur la vidéo les mecs, bonne vidéo à tous, profitez bien petit coca et sachez que quand cette vidéo sortira, je serai sûrement à l'école. Ouais, c'est vrai que là en ce moment les vidéos, j'essaye de prendre un peu d'avance en fait les mecs. Je vais vous expliquer ma vie un peu pourquoi hein. Mais c'est juste parce que bah j'ai le bac. Donc en fait j'ai envie d'être un peu en off de vidéos YouTube pendant une semaine pour vraiment me focus sur le bac. Et après frérot ça va être un carnage. J'ai envie de vous faire la surprise d'un jour vous faire une vidéo. J'ai acheté mon 4 roues, ma voiture, parce que là je suis à ça vraiment d'avoir le permis. Donc en vrai je vous tiens pas le bleu, sachez que je vais avoir le permis et, hein, c'est même pas en question de moi, ça se compte en question de semaine je pense à partir de maintenant. Mais voilà, dès que j'ai le permis, ça va être l'été, 2 mois de vacances, ça va être un gros bordel. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais être super content, vous allez enfin découvrir ce que j'ai envie de vous produire depuis longtemps en fait. Parce que faire des vidéos, c'est ça que je kiffe. Mais là, dès que je vais avoir la voiture, je vais pouvoir faire encore plus de choses. Bon, je vais laisser la petite personne passer avec son petit yinche, j'ai pas envie de la traumatiser. Et puis voilà, on se retrouve incessamment sous peu, ben, directement pour la vidéo. On va faire le démarrage. Vous en pensez quoi de la bécane? Moi je mets un petit filtre à air là, rouge, ça rajoute un petit style. Les petits autocollants, le moteur il est énorme. Et par contre, il refroidit pas du tout. Enfin j'ai l'impression que ça chauffe de ouf, c'est un chauffage. Je vous jure, c'est un chauffage ambulant. Putain, je suis parti de chez moi, il faisait froid. J'arrive ici, il fait super chaud. Du coup j'ai mis un petit cache-cou et tout, j'aurais peut-être pas dû. En vrai j'aime bien, je pense passer en plaque cross. De toute façon je vais attendre de voir ce que vous me dites. Mais je pense que tout le monde va me dire ouais Léo passe en plaque cross frérot. Parce que là il y a un jour de ouf. Et puis bah en fait cette plaque là vous allez voir dans le noir elle éclaire que dalle. Petit embrayage, en vrai l'embrayage comparé à ma 50, comment il est dur les frères, c'est un truc de ouf. Bon le chien, j'ai pas tout ton temps. Si vous pouvez te dépêcher un petit peu. Mais en vrai dites moi ce que vous en pensez la... Oh putain j'ai cru qu'il y avait un fossé. La ligne est en train de bleuir. C'est magnifique. Vraiment je pense qu'elle peut être grave belle. Bon par contre ouais on va remédier à ce problème d'angle de braquage. Ça braque pas du... Regardez là je suis en butée. Mais en fait la butée il y a moyen de la jarter frérot. Et de te faire un meilleur angle de braquage. En vrai ça peut être cool hein, regardez. Elle est stylée, elle tient toute seule. Bon voilà, on va y aller. On attend qu'il passe frérot. Et let's go hein. Bonjour. Hop. Il est beau le petit toutou. Bon allez,
pour ça, le démarrage, on met le contact, on allume l'essence, pas besoin de starter, elle est déjà chaude. Premier coup de clic. Oh putain. Premier coup de clic, première en haut, tout est en haut sur cette bécane. C'est ça qui est trop bien. Et là on est parti frérot hein. Bon elle est déjà chaude, vous inquiétez pas, le rodage est fini. Je vous ai pas filmé le rodage parce que bah... En vrai un rodage c'était comme ça, à mi-gaz pendant un plein et tu te balades frérot. Dites-moi vous, c'est comment vous faites vos rodages, si vous les faites vraiment comme bah, ce qui est préconisé, ou si vous chantez un peu votre rodage. En vrai le 4 temps, c'est ce que je voulais pour les chemins que j'ai vers chez moi, mais c'est qu'une question de temps là, comme je vous dis là, après dès que j'ai le permis, ça va aller faire des petits feats avec d'autres youtubeurs. C'est faux, j'ai pas d'amis. S'il y a d'autres youtubeurs qui voient cette vidéo, si vous voulez qu'on fasse des petits feats, on va faire ça hein. Non, en vrai j'aimerais trop, ça a l'air d'être trop drôle de faire des petits trucs avec d'autres youtubeurs. Ça peut être grave cool. Putain, je me suis dit je vais venir super tôt, moi je vais déranger personne. Et surtout qu'il fait moins chaud parce que l'après-midi il fait quand même chaud. Et mon 4 temps il refroidit même pas. Hop, bonjour. Ils sont trop gentils ici les gens, ils me disent tous bonjour. Bon, moi je vais faire mon petit tour. Pour ceux ils ont jamais vu mes vidéos en 85, bah vous connaissez pas, mais ceux qui l'ont déjà vu, vous connaissez ici. J'aime bien ce petit spot. Dites-moi si c'est comme le 85, genre quand on arrête d'accélérer, on embraye et on met des petits coups de gaz. Oh, ça fait longtemps que je suis pas passé ici. En vrai, ça a du répondant. Hein. Bon, après, c'est un petit. C'est pas un petit 125, c'est quand même un 150. Donc ça change quand même. Je pense que dans les chemins, de façon, on doit tout faire debout. Mais comme c'est une 14-17, c'est la grande roue. En vrai, même assis, ça passe. Hein. Oh, mais aller sur un petit terrain avec ça, ça doit être tellement drôle. Oh là là là. J'ai l'impression que c'est la glissouille derrière. Je glisse, mais de ouf. Hop, le petit trou. Et en fait, debout, je peux pas mettre debout parce que... Soit faudrait que j'ai un guidon plus grand. Parce que dès que je suis debout, je suis courbé. Oh, oh, le jeune cratère, frérot. Comme quoi, tu vois, je se comporte assez bien. Mais après, je trouve, il y a que 4 vitesses. Donc on est facilement, en fait, en 4e. Mais dites-moi si vous voulez que je fasse un entraînement wheeling. En vrai, avec ça, je pense que tu mets soit un petit coup de gaz, soit un petit coup d'embrayage et ça lève plutôt facilement. Et en plus, maintenant que c'est un 4 temps, on peut aller se balader, mais où tu veux, et t'auras toujours de l'essence. Wow, vous entendez les retours? Wow, ça fait des retours de ouf. Je sais pas si vous avez entendu. Elle fait des retours, c'est incroyable. Attendez, essayez d'écouter. Ah, bien sûr, quand je vais vous le faire écouter, elle en fait plus. Attends, lui, on va éviter de lui casser les oreilles. Voilà, passe frérot. Wow. Mais le truc, c'est un gros cube. Par où je vais passer? Là-bas, en fait, c'est la ligne droite. Attends, on va faire un jeune demi-tour. C'est bien, c'est que le point mort est en bas. Donc tu cales tout en bas et tu tournes. Parce que regardez comment ça braque pas. Non, ça c'est vrai que ça braque pas de ouf. C'est un peu le point négatif. Je pense que c'est le plus gros point négatif. Après, ça reste une dirt, hein, donc... En vrai, je trouve que ça marche bien quand même pour une dirt. Oh, et ça fait de ses retours. Oh ouais. En fait, pour une dirt, ça reste un produit de qualité parce que bah dessus, il y a un carburateur Nibi, il y a des pièces, en fait, elles ont l'air assez quali, tu vois. C'est pas comme la dirt de la fête foraine. Si tu la prends, t'as limite peur que la fourche, elle se casse, tu vois ce que je veux dire. Attends, je vais te dépasser fougueusement, désolé les oreilles. Attends, je vais essayer d'arrêter, hop. Ouah, les retours qu'elle me fait. Par contre, la première, tu fais que partir avec. Tu passes direct en deuxième après. Oh, mais vous entendez les retours? Oh là 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 là. Oh, oh, oh. Bon, après, tu sens un peu plus la route quand même. Mais pour déconner comme ça avec tes potes, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Même pour un débutant qui a juste envie de voir un peu ce que c'est le cross, pour pas trop cher, parce que on n'est pas du tout sur le budget d'un 85 ou de je ne sais quoi. Moi, en fait, dommage, j'étais parti sur ça, un petit dirt bike comme ça. Et bon, j'ai eu la chance de pouvoir... Aïe, 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 aïe. Bon, alors on va se mettre debout, avoir plus grand direct. Mais moi, je partais sur ça au début. Hein. Et franchement, j'aurais pas été déçu. Mais même pour un mec qui a fait du cross, enfin moi, je suis pas crossman, mais j'ai eu un 85 SX. En plus, un 2016, donc c'était pas les vieux, tu vois. C'était quand même un modèle assez récent. Et bah, pour vous dire, franchement, on s'amuse bien hein, avec ça. Hein. Tu sentais peut-être un peu moins la route avec le 85. Mais ça reste une dirt bike, les frères.
Et c'est un truc de ouf que pour une dirt bike, ça soit aussi drôle comme ça. Tu te mets avec plusieurs potes. Regarde comment ça part. Oh, ça, c'est le kiff. Un 4x4 comme ça, là. Ah, lui a pas dit bonjour. Ah, j'avais oublié qu'il y avait des méga trous ici. Et en vrai, au ralenti, ça avait pas trop de bruit, hein. Mais ouais, braquage... Pas ouf le braquage. En plus, ça fait un bruit plutôt sympathique, hein. Vous avez pas le bruit d'une chinoiserie ou quoi. Après, les mecs, c'est une marque française. Donc pour ceux qui ont peur des dirtbikes chinoises, enfin après, je pense que c'est comme tout, hein. Les pièces, ils viennent d'un peu partout. Mais là, on est quand même sur une base française. Le cadre est sympa, roulé. Franchement, c'est cool, hein. Après, regardez, niveau taille. Moi, je dois être dans les 1,85. Allez, on va... Grosse marge, 1,85. Et tu mets plein gaz, ça part, hein. Après, avec ça, je suis sûr que tu peux faire une prépa, hein. Tu peux faire des petites prépas tranquilles. Mais là, tu veux de la balade, frérot. Tu peux même aller... En vrai, il y a en 14-17 grande roue, en 150. Je pense que sur terrain, t'es carrément à l'aise. Ouais, je pense que sur terrain, t'es carrément à l'aise avec ça. Dites-moi si je passe bien les rapports, les mecs. Ouah, mais elle a le feu au cul. Dites-moi si je passe bien mes rapports. C'est pas vraiment comme le deux temps. Mais attends, mais c'est un truc de ouf. Et regardez, je vais vous montrer. Normalement, je sais le faire. Avec le 85, j'avais un peu de mal parce qu'il y avait trop de patates. Regardez. Tu veux faire demi-tour, comme ça, braque pas. Ouais, je trouve que j'ai réussi. Premier coup de clic, ça va partir. Ah, c'est serré, merde. Attends, point de compression. Ça part. En vrai, regardez, debout, ça se tente aussi, hein. Je suis un peu plié debout. Après, c'est peut-être parce que c'est moi qui sais pas me lever. Bon, du coup, les mecs, on va se refaire quelques petits tours, là. Regarde, regarde, ça, c'est l'ornière. T'arrives dedans à fond, et après, sortie d'ornière, t'accélères. On va se faire un petit franchissement, là. J'ai envie d'essayer un petit franchissement. Moi, je pense que ça passe. Oh non, oh non, j'ai roulé dans de la merde. Mais en tout cas, le franchissement, il est passé aux F. Là, tu te fais une petite sortie. Elle a chaud. Ouah, elle fait de ses sacrés retours quand même, hein. En vrai, j'ai envie de la pousser à fond dans les... Ouah, ouah. Comme c'est un petit modèle. Bah, un petit gabarit comparé à un cross, c'est beaucoup trop drôle. Je suis sûr à moins de sauter. Ça passe tout tranquillement, c'est beaucoup trop amusant. Pour s'amuser, en vrai, je pense qu'il n'y a pas mieux comme bécane, des petites dirt comme ça. C'est plaisir avant tout. Oh merde, je crois que j'ai un petit problème de guidon. Voilà, là il est bien remis. C'est super maniable. Donc c'est ça qui est cool. Bon, avec des retours, ils sont beaucoup trop sympathiques à entendre. T'as l'impression que tu roules sur un 1000. C'est un 1000 le bordel. Et le point mort en bas, trop stylé. Je pense que pour lever avec ça, il faut lever en deuxième parce que la première est beaucoup trop courte. Et on va essayer de lever à l'axel. Bon, là, rigolez pas. Ah ouais, ça arrache quand même de la terre, hein. En plus, ce qui est drôle avec ces genres de modèles, c'est que tu peux vraiment jouer avec ton positionnement avant, arrière. Comme ça, tu peux te jeter. Comme c'est petit, en fait, bah c'est beaucoup trop fun à rouler. Ok, là il était réussi. Donc en vrai c'est ça, c'est chaud. Ouais, bon, allez. Qui a calé avec une dirt ici? Qui a calé avec une dirt? Moi je l'ai déjà fait. Là t'as... T'as un bruit de bonhomme avec ça. Wow. Ça lève au départ. Il y a trop de puissance. Les retours que... Oh, je vais décoller. Juste le frein avant, regardez, j'ai un petit problème, là je suis à fond. Dites-moi si comment je peux régler ça. Je pense qu'il y a un petit problème, mais regardez. Je freine à fond. Que du frein avant. Je crois que j'ai un petit problème de frein avant. Ça doit être beaucoup... Par contre, ça glisse une tonne, mais à fond, dans un terrain qui est de terre ou gras. Oh, comment je kifferais le prendre. Oh lolo. Tu vois, par contre, une boîte 4, je trouve qu'on est facilement
Bah on est facilement 4. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en plus la 1, sachant que la 1 tu fais que de partir avec, après ça veut dire que t'as 3 vitesses pour monter à 100 km/h. Après c'est pas, tu prends pas ça pour faire de la vitesse hein. Tu prends ça pour déconner, ça a de la reprise, ça a du couple, ça a 4 temps, ça consomme rien. Je vais vous montrer d'ailleurs. Je suis parti, j'ai mis le plein. Alors attendez, je suis parti avec le plein. Là depuis tout à l'heure vous me voyez rouler. Regardez, j'ai consommé que dalle quoi. Comparé à un 2 temps qui fume et qui consomme une tonne, niveau économie d'essence, parce que 98 il est assez cher ma foi, ça c'est vraiment le top. Mais pour te balader tranquillou tu vois, là t'es bien. Je trouve c'est beaucoup moins brusque. Après c'est sûr, là je suis en train de vous citer les points, les différences entre un 4 temps et un 2 temps, mais c'est moins brusque. Mais par contre, quand tu vas accélérer, tu vois ça accélère. Donc c'est beaucoup trop drôle ce petit jouet. Là t'es dans les champs de Marguerite. Oh là 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 là. Hey, ça tient le pavé quand même hein. Hop, attends le petit arbre frérot. En vrai, pour les chemins tout ça, c'est le kiff. C'est beaucoup trop cool. Mais ça l'été avec plusieurs potes, oh comment ça doit être trop drôle. Genre vous êtes un petit groupe, vous savez pas quoi prendre, vous avez un petit budget, prenez une petite bécane comme ça, même la taille en dessous pour un adulte en vrai je pense que ça convient largement. Bidi bidi boudi bam. Bon après pour la route c'est pas ce qu'il vous faut hein. Si vous voulez aller faire un... Tu vois là je suis déjà en quatrième. Si vous voulez faire un road trip, c'est pas ça qu'il vous faut, hein, je vous rassure. Oh, aïe aïe, il y a du pollen. Qui est allergique au pollen, là? Mettez-moi ça en commentaire. Et dès que t'arrives dans les petits chemins... C'est son terrain de jeu. Donc en vrai, pour le budget, en plus, il y a un code promo. Eh, c'est pas top, ça? Je pense qu'il y a moyen de rigoler. Après, on va voir dans le temps si c'est solide. Tu vois, il faudrait pas qu'au bout de la cinquième sortie, on commence à avoir un 4 fissuré. Mais en vrai, à première vue, ça a l'air d'être... Quand même un truc de bonne manufacture, on parle pas du truc de fête foraine que tu gagnes en tirant la carabine, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre avoir le point branlant, en vrai ça c'est cool, t'as pas besoin de galérer à le trouver. Puis genre si tu roules avec des bottes, bah ça va se faire tranquille, tu cales tout en bas tu vois. Non en vrai, c'est beaucoup trop fun, béquille, ça c'est un truc de ouf. D'avoir la béquille, tu peux poser partout. Aïe, aïe, et puis là on est sur un 4 temps, donc niveau entretien tu vois. En fait la béquille elle est assez droite sur ce bordel, voilà. Tu vois t'es sur un 4 temps donc niveau entretien ça va se faire tout seul. Mais dites moi ce que vous en pensez aux premières impressions. Regardez la ligne, elle commence à devenir violette, c'est plutôt cool. Hop. Non en vrai moi j'aime bien la petite bécane là, je verrais bien une petite évolution dessus. Et ça va partir en entraînement winning, on ira sur terrain, pourquoi pas se batailler avec d'autres youtubeurs qui ont aussi des petites dirt. Ça peut être beaucoup trop drôle. Bon sur ce les mecs, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était une petite vidéo, voilà, petit test de la RFZ 150 Enduro de chez Apollo. Je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas à profiter de mes 5% sur tout le site. Et tous les véhicules aussi, vous avez 5%. Je vous mets le code à l'écran, je l'ai plus en tête, je crois que c'est Leonard 5 ou quelque chose comme ça. Mais il est dans la description à l'écran, n'hésitez pas à en profiter, vous avez 5% sur les véhicules, sur les pièces. Dites-moi si vous voulez que je fasse des petites vidéos avec, mettez-moi des petites idées dans les commentaires si vous voulez que je fasse un test de VMAX, des tests wheeling. Pourquoi pas une petite évolution, une petite prépa dessus, petite ligne, petit carbu. On peut le mettre des kits, hein. Ça on peut quitter ce moteur, hein. Y a pas de souci. Voilà, vous mettez tout en description. N'hésitez pas les pouces bleus, les commentaires, les abonnements, partagez. Merci à tous. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, on a passé les 20 000. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir, on est content. Voilà, sur ce les mecs, c'était Léo. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. I'm about to write a hit, man, I'm about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit.